Donc bonjour à tous. Tout d'abord, bienvenue à l'IGR. Félicitations d'avoir intégré cette école reconnue dans le monde professionnel. Donc je me présente, donc Coralie Gourlet, la nouvelle présidente d'IGR Alumni. J'ai obtenu la licence de gestion en 2010 et le master marketing en 2012. Et je travaille aujourd'hui dans le réseau d'entreprises et marques collectives Produits en Bretagne, dont l'IGR est membre. Donc je suis impliquée dans l'IGR Alumni depuis 2015 en tant que déléguée départementale du Finistère, puis en tant que membre du bureau et nouvellement présidente depuis le mois de juin. Donc IGR Alumni, c'est l'association des diplômés de l'IGR qui permet de garder du lien avec les copains de promo et de développer et faire partie de la communauté des étudiants, des diplômés. Et un annuaire est disponible en ligne pour avoir les coordonnées des différents diplômés. Et c'est un réseau de 19 000 diplômés, dont plus de 10 000 ont renseigné leurs fiches sur l'annuaire en ligne. Donc on organise très régulièrement différentes rencontres ouvertes aux étudiants et aux diplômés, donc que ce soit à Rennes et aussi à Paris, à Nantes, à Vannes, à Saint-Brieuc, à Brest. Voilà. Ce sont des moments privilégiés qui permettent de développer et entretenir son réseau professionnel et aussi de rester informé sur son environnement professionnel et sur le tissu économique local. Donc les rencontres sont sous de différentes formes, des after-work, des visites d'entreprise, des conférences. Par exemple, dans le Finistère, on a organisé différentes choses, donc des rencontres avec des entrepreneurs, comme par exemple Jean-François Istin de la société ND-MAX System, qui fait des tireuses à bière connectées. Donc avec une petite carte, on peut se servir de la bière, etc. Donc ça prête à sourire, mais derrière, il y a toute une technologie qui a été pensée et fabriquée à côté de Quimper, et à la recherche de financement très important. Il y a la création et le partenariat avec différents bars, dont un nouveau bar qui a ouvert à Denver. Donc voilà, c'est des